Les GP de Series en déplacement ici à Monaco sur la Côte d'Azur dans le sud de la France. Cette semaine, je m'occuperai du commentary du grand format pour la catégorie GP de Series en compagnie de Couscoco suite à l'absence de Juan Max. Bonjour Marco, comment ça va? Salut Rémi, ça va et toi? Très très bien, ravi d'être avec toi à nouveau. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas commenté ensemble en cabine. Ça sera chose faite à présent ici sur la Côte d'Azur, qui est toujours un rendez-vous un petit peu spécial, sixième rendez-vous de cette saison 13. Je vais prendre ton avis sur le tracé avant d'aller plus en détail sur le Grand Prix. Vas-y, dis-nous ce que t'as. Monaco, c'est un tracé en ville, hein, le circuit mythique, une piste très étroite, sinueuse, avec des virages rapides, beaucoup de bosses, peu de lignes droites. Donc voilà, assez compliqué pour les pilotes, surtout qu'il y a beaucoup de tours, donc faut vraiment être concentré du début jusqu'à la fin, sinon c'est le mieux rassuré. Et surtout quand il y a la pluie, alors là, c'est l'horreur. Et personnellement, moi, dessus, je prends un réel plaisir. Eh oui, Monaco, c'est un peu contrasté, on a toujours des pilotes qui adorent ce tracé, d'autres qui le détestent, c'est un peu le charme de ce Grand Prix, toujours à part sur le calendrier. On va rentrer dans le vif du sujet dans quelques petits instants. Le temps pour moi de poser quelques questions à Couscoco. J'ai pas l'habitude de le faire. Maintenant qu'il est en cabine, j'ai l'occasion. Ton avis sur le début de cette saison 13 côté GP de Series? On le rappelle, je rappelle 5 victoires d'Oxide sur les 5 premiers déplacements. Et à chaque fois une deuxième place de Yoshi, Sébastien, notre réalisateur. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Qu'est-ce que tu veux que je dise? T'as déjà tout dit, hein. Début de saison a été marqué par les 5 victoires consécutives d'Oxide. Et après, il y a Yoshi qui tente de rester à contact de lui, mais bon, pareil, il a fait 5 deuxième places. Ensuite, il y a les deux McLaren qui s'accrochent malgré leur monoplace pas assez performante que ce qu'ils espéraient. Et ils tiennent la 3ème, 4ème place. Après, le championnat au niveau du milieu de tableau, il est assez serré. Entre des pilotes qui essayent de rester dans le coup comme Hamilton ou McMartin, et Rosbif ou Charognard qui tentent de mettre quelques points à chaque Grand Prix. Aussi à noter là les abandons assez répétitifs de WAM. WAM qui fait un gros contraste, hein, au sein de la team Ferrari. C'est aussi ton collègue, je dirais, pas copilote, mais vous travaillez dans la même firme, et forcément, ses résultats un peu en baisse, surtout par rapport à Oxide, évidemment, font que sa place chez Ferrari est forcément menacée pour la saison prochaine. On aura l'occasion d'y revenir. Je vais te laisser nous présenter cette grille de départ comme à ton habitude. C'est à toi. Alors, sur la grille de départ, nous retrouvons encore Oxide en première place, suivi de Yoshi, hein, les deux pilotes habitués à ces places-là, suivi de Mustation et Juan Max, Mostreet 5e, suivi de Psikowski, son coéquipier 7e, Hamilton, et suivi de WAM sur la Ferrari. Ensuite, à la 9e place, nous retrouvons la Lotus de Charognard, suivi des équipes sur la Force India. Sur la ligne suivante, nous retrouvons Olivier et Gilles Max, les deux pilotes Sauber, ensuite McMartin et Rosbif. Rosbif complète cette grille de départ. Rosbif qui avait signé une excellente 5ème place très probante en Espagne la semaine passée. C'est un peu plus difficile en qualification ici en France, dans le sud de la France. Suivra à bord de Yoshi's, de Juan Max et de Mostreet, alors que les feux s'allument à l'extinction des 5 feux. Le départ ici sur la Côte d'Azur. Allez, c'est parti! En caméra embarquée de Juan Max, qui va tout de suite aller chercher son coéquipier qui a pris un mauvais élan, avec Hélicitation qui lui fait l'intérieur, le premier virage toujours un peu compliqué, et ça passe très bien. Oxide, Hélicitation, Yoshi, Juan Max, Mostreet. Il a fait beaucoup de casse, on dirait, là, dans ce départ. Très bon envol du top 5, en tout cas, 14 pilotes en GP de Series, on s'attendait, ouais, à de la casse à tous les niveaux. Pour l'instant, devant, ça passe. Attention, Mostreet qui vient enfoncer Yoshi dans le mur, un freinage. On était dans la descente des Mirabeau et on arrive vers l'épingle. Yoshi ou Juan Max? Et je crois que non, c'est Yoshi, puisque Juan Max. Non, c'est Juan Max, le pilote Red Bull. Ah, c'est Juan Max. C'est Juan vient Max. De se faire complètement empaler sur le freinage des Mirabeau. Ah, c'est dommage pour Mostreet qui va devoir laisser passer absolument tout le monde.
pour attendre. C'est un coup dur là pour les deux pilotes, surtout pour Juan Max qui a rien demandé et qui avait pris un bon départ là. C'est terrible, c'est terrible. Il va devoir faire un tour dans les stands. Pour celui qui est absent aujourd'hui en cabine de commentateur, et Motstrip n'a même pas reçu une pénalité de drive throw. Attention, pour une station c'est très compliqué aussi. L'ancien champion du monde GP2, pas forcément aller sur ce troisième secteur. On a fini ce premier tour plutôt mouvementé finalement dans ce deuxième secteur justement. On voit déjà des grands écarts entre tous les pilotes. On dirait qu'il y a eu un peu de casse, mais on les a pas vus. Alors on va voir ça avec le replay que nous présente la réalisation. Oh, oui, on a vu que ça a tapé. Oh, c'est terrible, l'aileron qui part évidemment en miettes, obligé d'attendre que tout le monde passe avec la plus grande sécurité. On est dans le tour cinquième tour. C'est un grand format, je le rappelle, GP2 Series en caméra embarquée de Yoshi's. Troisième, derrière une station, toujours champion du monde. Excuse-moi de te couper, Mosquet qui a remonté à la quatrième place quand même. Avec 20 secondes de retard, ce groupe s'est détaché d'une manière assez singulière, alors qu'on a un retardataire devant nous. On est à peine au tour 5, c'est aussi ça. Monaco, allez, on va sortir du tunnel, toujours en caméra embarquée, de la Red Bull, le freinage vers la chicane du port. Un des virages les plus compliqués du calendrier. On en verra de la casse à ce niveau-là. Allez, c'est une. J'ai même pas eu le temps de voir qui c'était. C'est une Lotus. Ouais, tout va très vite ici à Monaco. Ah, attention, le cheese se fait surprendre à la barrière sans plus de gravité. Et va venir compléter son cinquième tour comme il l'a commencé. Non loin des 1000 stations qui pourraient quand même prendre de la marge et s'offrir un peu d'air dans les prochains tours. Dixième tour. On y vient avec Juan Max qui a chaussé les médiums. Abandon, vous les reconnaissez ici à Monaco. Alors que ça s'explique devant, attention, entre Roast Beef et sûrement. Sauber, alors, quoi. Je crois que c'est une Sauber. En tout cas, on se chamaille à entrer des points. Juan Max va tenter de les dépasser assez promptement. Je crois que c'est d'une Force India Force même. India, ouais. Ouais, c'est une Force India, c'est peut-être Ezekiel. A voir. Le pilote pas toujours en réussite cette saison. Qui enchaîne les pépins, que ce soit physique ou problème de moteur. Attention pour Roast Beef qui est venu taper le mur et qui a entraîné Juan Max dans sa chute. C'est terrible hein, ce début de course pour Juan Max qui bénéficie quand même du DRS. On sait qu'à Monaco c'est pas forcément l'endroit où il est le plus efficace. Je parle de l'aileron arrière mobile. C'est inutile ici. Et il n'y a qu'une zone d'ailleurs par rapport à tous les autres circuits. Évidemment on peut pas en mettre dans le tunnel alors que c'est terminé. C'est terminé pour le pilote Ferrari qui confirme un très très mauvais début de saison, 11 tours à peine, et ça s'arrête là. Et on me signale une panne d'alternateur hein, pour l'ancien pilote. Alors je crois qu'il était chez Force India la saison passée, à confirmer. En tout cas, ça s'arrête là pour le second pilote Ferrari et Oxy qui va devoir aller chercher une victoire, une sixième, pour compenser encore une fois les mauvaises performances de son coéquipier. C'est pas sa saison. C'est un grand prix qu'il abandonne en début de course. En tout cas pour Juan Max, c'est toujours une position de gagner. Attention de pas non plus s'emballer, lui qui a pris un gros coup sur la tête, on le rappelle, en début de Grand Prix. On avance, tour suivant, tour 12, alors que le ciel est très couvert à Monaco. Allez Ezekiel, 7ème, mais avec un tour de retard, attention, on s'explique avec... Yoshis qui a raté son freinage, plutôt Ezekiel qui a freiné trop tôt et qui n'a pu anticiper. Ezekiel qui n'a pas laissé passer le pilote Red Bull, mais bon, Monaco, ça c'est compliqué quand même. Je crois qu'il y aura pénalité hein, à l'issue de ce tour. Je pense que ça ne sera qu'une contestation. Parce que Ezekiel a bien repris la trajectoire alors que Yoshis arrivait. Le Polonais n'était pas forcément à son aise. À hauteur du virage de la piscine. On arrive au casino. Toujours en caméra embarquée de la Red Bull. On peut attendre les gommes à bande rouge, vous les reconnaissez. Oui, vas-y. Le trou qui s'est fait avec l'émulation, maintenant à 6 secondes. Et le trou qui s'est fait avec Mod Street à 42 secondes derrière. C'est encore plus gros comme ça. Vient quasiment validé un podium alors qu'on est dans le 14e tour. De ce grand format,
et presque 45 secondes séparent le troisième du quatrième. C'est aussi ça Monaco, quasiment visible nulle part ailleurs, peut-être Singapour et encore. Juan Max maintenant 11e, qui je pense s'est arrêté dans les puits, c'est fini. Ah, oh, c'est terminé. Oxide, quel coup dur, quel coup dur. Il y aura peut-être une safety car à l'issue de ce tour, alors que Oxide vient de détruire son véhicule. C'en est terminé pour le leader du championnat. La série s'arrête ici. 5 victoires et un abandon. Voilà le terme de ces 6 premières courses. Ah, ça va être un bon coup pour Yoshi. Il va falloir qu'il maintenant il assure pour reprendre de gros points sur Oxide. Par qu'il profite de cet abandon. C'est terrible hein, pour la team italienne. Du côté du team Red Bull, évidemment, on se frotte les mains. McLaren également voit ça d'un bon oeil. Et safety car, voilà. Je l'avais annoncé. À mon avis, à Monaco, quel que soit l'endroit, vous pouvez être sûr hein, que le safety car n'est jamais bien loin. Et ça va pouvoir nous serrer tout ce beau monde. Juan Max se frotte les mains à son tour. Lui qui est dixième. Et qui se contentera pas, évidemment, de ce point de la dixième place. Safety car, donc, comme je vous l'avais annoncé, vous allez le voir dans ce 17e tour. Yoshi's qui a prévu, attention, on a un pneu gauche qui semble subir plus que le reste des essieux, que ce soit avant et arrière, et un arrêt assez prolongé pour le team autrichien. Il a laissé passer une voiture. C'est ouais, c'était une Lotus, celle de Rosbif, il me semble. Et le voilà évidemment deuxième. Avec une possibilité, pénalité. Ah, oh, pénalité, c'est horrible. Ah, l'erreur. Aïe, 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 c'est des choses qu'on nous voit. Malheureusement, quand GP2 Series, je suis assez étonné hein, d'ailleurs de voir autant d'erreurs. Ah, là, c'est vraiment une erreur de débutant. Clairement, grosse, grosse inattention de Yoshis qui vient de franchir la ligne jaune. Allez, ce Grand Prix s'emballe un peu. Il y aura peut-être le temps de... faire sa pénalité sans perte de place. Est-ce qu'on a le droit d'effectuer une pénalité sous le safety car? Ah ouais, non. Non. On n'a pas le droit sans interdit. Vraiment, ça nous avantage trop. Donc là, il va perdre trop. Il va perdre énormément. Et une station, évidemment, n'est peut-être pas encore au courant. Donc ça, évidemment, d'un bon oeil. Alors qu'il y a un retardataire entre lui et Yoshi's. C'est Mac Martin qui se situe à la 10ème place. Alors qu'Emile Station fait chauffer ses pneumatiques, le safety car va rentrer dans les puits. Vous le voyez, c'est maintenant le pilote McLaren qui contrôle la meute. Le champion du monde saison 11 prend le contrôle et a pris le dessus dans ce Grand Prix. Nous voilà repartis drapeau vert sur la Côte d'Azur. Alors qu'on entre dans le 20ème tour, à l'instant. Et une pénalité à purger, je le rappelle. Mostrick qui a 29 secondes, donc Yoshis pourra faire cette pénalité sans perdre de position, mais il va perdre beaucoup de temps pour sur la mixtation. Est-ce que ces temps sont valables après le safety car? À vérifier, attention que Mac Martin ne vienne pas gêner la Red Bull, et ça a été fait. Et avertissement pour une collision provoquée. Décidément, on l'a à l'œil, alors que Mac Martin, semblait être plus en retrait, pas vraiment à l'attaque, à essayer de laisser passer, on s'est pas compris. Et Emile Station qui en profite. C'est dur pour les pilotes retardataires à laisser passer. Juste après le safety car, il y a du monde, il faut être prudent. Et pas faire de bêtises. On a retrouvé l'autre pilote Red Bull, on suit de très près la performance des deux équipiers. Attention, Ezekiel qui se fait une nouvelle frayeur avec le mur, et ici qui vient bloquer les roues, et gêner Juan Max dans sa progression. Malheureusement, il a le droit de défendre. Attention de pas entre. Il zigzague un peu. Hein. Ouais. Il change de trajectoire beaucoup trop souvent. Le mur qui vient d'être embrassé par Juan Max à l'entrée de ce 21ème tour. Il parvient pas à trouver la solution face à Ezekiel qui lui bloque la route plus qu'autre chose. Allez, le pilote polonais. Il va falloir s'appliquer drapeau jaune. Attention, extrême prudence. Il y a un accident dans la descente là. Attention, on est au Mirabeau. Drapeau vert à nouveau. Et plus d'une seconde et demie perdue sur le premier secteur. Le pilote Force India qui tend à faire le chouchou. Comme on le dit vulgairement dans le paddock.
Allez, le Kers dans l'entrée du tunnel. C'est au freinage qu'on va peut-être pouvoir faire la décision. Entre la Red Bull et la Force India, il a choisi la droite finalement. Oui, il va y rester. Alors que Juan Max plonge à gauche, blocage de roue pour la Force India. C'est très compliqué. On est en roue dans roue. Et côte à côte, on s'engage vers le bureau de tabac. Allez, c'est passé. Allez, voilà. À la réaccélération, la Red Bull bénéficie d'une meilleure traction pendant qu'Emile score le meilleur temps en course. Vous venez de le voir en violet. En haut de votre écran, une 19 pour le meilleur temps en course. Et Yoshi's, que l'on a retrouvé dans le tour 23. Deuxième, le cinquième, Sikowski, a.k.a. Goa, sur le forum F1 Team. Ah, pas se laisser passer, il est en train de attention, Charognard qui est venu goûter à la barrière de sécurité à l'entrée de ce premier virage. Terrible le choc de la Lotus. Et je comprends pas pourquoi il est encore en piste. À mon avis, il a subi de sérieux dommages. Et l'aileron a dû en pâtir. C'est pas tout à fait ça pour les Lotus. C'est comme les Ferra, qui, je le rappelle, ont abandonné prématurément dans ce Grand Prix. Avant le 20e tour et ont provoqué l'entrée du safety car. Grand Prix de Monaco, comme prévu, très mouvementé. Le ciel se dégage au-dessus de nos têtes. Et les pilotes voient ça d'un bon oeil, tout comme les... Oh, c'est terrible! Ah, ce qu'on vient de voir là! Ah, Yoshi's! Ah, je peux pas le croire. Il est venu, safety car à nouveau! Ah, c'est horrible! Quel choc! Ah, je reste sans voix face à cet accident. Économisons du carburant. D'une rare intensité. Aïe, 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 aïe. Ah, safety car avec un replay à la clé. Oh, il est venu, ouais, frapper la borne, je sais pas trop quoi. En tout cas, safety car, et on va repartir. Oh là là là. Ah, c'est horrible. C'est horrible, et ça, c'est pas des images qu'on aime voir. Alors qu'on a même pas le temps de s'en remettre. Le safety car va s'effacer à nouveau. Une fois que l'oxyde est abandonné, je peux même pas en profiter. Aïe, 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 et ça, c'est tout bénef pour les McLaren qui se retrouvent première et deuxième, séparés par quelques retardataires. Emile Station mène la danse devant Mode Street. Chanceux évidemment sur ce début de Grand Prix qui ne se sera contenté de maintenir la voiture en piste. Derrière, Sikowski complète le top 3. Sikowski évidemment chanceux. C'est tout bénef aussi pour lui, l'ancien pilote Red Bull GP2 Series qui a fait son retour lors de cette saison 13. Un tour plutôt probant à confirmer cette troisième place qui évidemment s'annonce fructueuse. 15 points à la clé, on va voir ça dans la continuité de ce Grand Prix. Juan Max, 6ème, 29ème tour, toujours en quête de remonter. Il a pu profiter des deux safety cars pour remonter un petit peu, il se retrouve 6ème. Recollé à Hamilton, pardon, le pilote Mercedes. Là, le pilote américain qui semble un peu plus en difficulté qu'au Juan Max, qui bizarrement s'est assez vite remis hein, de cet accrochage au Mirabeau. DRS activé évidemment, on va prendre le risque de freiner plus tard alors qu'Emile Station s'est raté à son tour. Hamilton, voilà. Hamilton, pardon. Je confonds. Mais il a freiné sur la bosse et du coup les freins ont bloqué. Juste le temps de décoller de la roue. Ouais. Ne serait-ce qu'une demi-seconde, même pas. Et ça suffit pour bloquer les roues. Plus de peur que de mal pour l'Américain. Plus 34 avec toujours Jean-Maxime en caméra embarquée. Charognard 4ème quand même. Charognard aussi, en fait, on a une flopée d'opportunistes. À part Juan Max, tout le monde, attention ici. Et c'était justement Charognard en tête à queue. Qu'on a absolument pas vu venir à l'entrée du tunnel. Ce Grand Prix est complètement fou. Je suppose que chez vous, vous qui vivez ça avec nous, est évidemment très, je ne trouvais plus mes mots pour dire ce qui se passe ici dans le sud de la France. La principauté qui en a connu des vertes et des pas mûres.
et ce sixième Grand Prix de la saison 13 ne dérogera pas à la règle, en tout cas en GP2 Series évidemment. On se retrouvera en Formule 1. Beaucoup d'accidents, beaucoup d'erreurs, facilement évitables. Tour 40 avec notre ami Mod Street en caméra embarquée. Il s'engage, il s'arrête même à son stand et repart aussitôt. Je rappelle ici dans la pit lane, on est à 60 km/h. Alors que si je vois bien, Juan Max a monté à la troisième place. Et c'est bien lui, ouais. Vous le voyez sur l'affichage. Bien que cela soit un peu flou. Attention de ne pas couper la ligne et d'imiter Yoshi's. Qui, je le rappelle, a dû abandonner prématurément. Suite à un accident justement à cette hauteur. 42 tours, Juan Max. Inarrêtable dans sa remontée. Sûrement le meilleur en pilote en piste aujourd'hui. Réussi en une bonne course pour l'instant, là, de dernier à troisième. À Monaco, c'est vraiment pas mal. Bien aidé par les safety cars, et justement, j'en parle, troisième safety car. Alors qu'on est à peine dans le 42e tour, il va en rester plus de 30, et c'est Oliver cette fois qui s'y colle. C'est terminé. Pour un nouveau en plus, il me semble. Je ne sais pas. Non, c'est pas un nouveau, je crois, lui. Un nouveau cette saison 13, en tout cas. Ah ouais. Qui n'était pas là lors des éditions précédentes, le pilote Sauber, 6ème à Monaco, et c'est en Espagne, et c'est bien un nouveau puisqu'il n'était pas là lors des 4 premiers rounds. On est sorti pour Juan Max qui s'est engagé juste à temps, il a vraiment été prêt au moment. Le safety car est arrivé au bon moment pour lui. En tout cas, il a plus sauvé. C'est terminé. Psikowski juste derrière aurait bien été inspiré. Juan Max qui va passer devant, il m'a fait peur. J'ai cru qu'il avait manqué de freiner, ouais, le safety car qui a laissé passer, vous l'avez vu, que ce soit Psikowski ou Juan Max. Allez, toujours safety car, on est reparti. Tour 45 avec Yoshi's, toujours à la réalisation cette fois, qui nous offre des images de pilotes qu'on ne peut pas voir. Psikowski, le pilote Mercedes, en fait partie, le freinage dans ce restart. Obligé de couper pour éviter un énième accident. Il s'est bien rattrapé après son blocage. Bien vu de la part de son compatriote italien. On est dans Casino Square. Ouais, c'est compliqué pour Ezekiel qui va devoir laisser passer. À nouveau, bon, c'est pas dramatique évidemment pour un retardataire. Pour ceux qui côtoient le milieu de tableau et même le bas de tableau, prendre un tour à Monaco n'a rien de tragique. Au contraire, ça veut dire qu'on est encore en piste et que, à l'instar d'autres pilotes, les murs restent à bonne distance. Le freinage de la chicane, toujours avec Psikowski. 46e tour. Il essaye de suivre Juan Max. Et pour l'instant, on enchaîne temps fort sur temps fort. Moi qui n'avais pas l'habitude pendant des grands formats. Me voilà dépucelé, si j'ose dire. Le choix des mots est un peu osé. Je m'y risque. Toujours Psikowski devant le pilote italien, troisième. Non, Psikowski, quatrième, pardon. Devant lui, on va retrouver, pardon, Juan Max, qui tient son podium. Qui pourrait le satisfaire. Pas grandement, évidemment, puisque il est le meilleur pilote en piste aujourd'hui. Je mettrai 8 stations derrière lui. Et s'il y a bien un pilote qui n'est pas un opportuniste aujourd'hui, c'est bien Juan Max, qui mérite pour l'instant sa troisième place et qui pourrait mériter les 25 points de la victoire. On n'y est pas encore. Et les belles régularités dans le pilotage de Goa, qui n'a rien perdu pendant sa pause, évidemment, je dis ça. Il vient goûter du mur. Ouh, c'est compliqué. Dans le tunnel, évidemment. Le mur à nouveau. Le freinage de la chicane du port. En finesse. Alors que devant, on va s'expliquer entre les deux pilotes. Il y a un retardataire. Alors que Juan Max semble bien bloqué. On n'est pas pressé loin de la touchette encore une fois. Alors c'est une Williams. Et on va avoir droit à ma fiche qui va me dire qui Mark Martin, Williams. Alors c'est Mark Martin qui semble laisser passer dans cette ligne droite. DRS activé pour Psikowski, laisse passe d'un instant pour se rapprocher, obligé de couper. Il a heurté le mur encore une fois.
Kwiatkowski qui met un petit peu la pression à Juan Max pour le pousser à la faute. Mais Juan Max ne cède pas. Et Juan Max, ouais. Bien endurci de ses troubles en début de Grand Prix. Semble maintenant sur des rails. Alors que Juan Max a des pneus différents de Kwiatkowski, les pneus les plus tendres. La bande rouge. Meilleure traction peut-être en sortie du virage. Et de la Red Bull déjà au-dessus sur l'affiche. Il a resté devant. Ils viennent se jouer même d'Hamilton. Qui a un tour de retard sur Kwiatkowski. Le voilà qui laisse passer son coéquipier de manière très fair play. Hors de question de gêner. Allez, la piscine, toujours compliquée avec cette quille. Qui est plus une gêne qu'autre chose. 61e tour, pardon, avec Emil Station. Le leader de cette course, qui pourrait bien être le second vainqueur de cette saison. 13 GP de Series, bien inspiré. Il va lui rester 10 tours à couvrir. Alors 10 tours, oui, c'est bien 72 tours. Non, 78, pardon. Évidemment, il y avait le logo qui me gênait. 78 tours, allez. 16 tours à tenir. Pour le champion saison 11. Il ne devrait pas trop attaquer pour pas prendre devrait pas prendre trop de risques. C'est un pilote qui est loin des rails. C'est un pilote qui a de l'expérience. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde sur une grille de GP de Series. Oui, attention, une fois de plus, le tunnel qui vient ramasser des bouts de pneus suite à une nouvelle touchette. C'est vrai qu'Immunstation, en gomme tendre, se fait pas prier, essaye de mettre le plus de chance de son côté, jusqu'à même prendre des risques. 64e tour, Kwiatkowski 5e à l'attaque sur Juan Max à nouveau. 5e. Alors est-ce que c'est Juan Max ou une Lotus. Non, c'est une Lotus. Et donc un retard d'atter. Non, c'est pas un retard d'atter. C'est Rognard, je crois que c'était. Alors attends, hop, vu qu'on n'a pas. Monaco. Ouais, c'est bien Charognard qui vient de se faire dépasser. Vu qu'on n'a pas l'affichage des noms dans ce type de caméra. Allez, on change, on va aller voir ce qui se passe pour Charognard qui encore une fois s'est planté exactement au même endroit que tout à l'heure. C'est la deuxième fois qu'il y a la même erreur. Et ça fait déjà deux fois. Alors attention, il y a un pilote qui arrive à nouveau, il va se faire surprendre. Allez, sans gravité. C'est Hamilton qui vient de passer sous le tunnel. Allez, drapeau vert à nouveau sur le deuxième secteur. Belle frayeur pour le pilote belge qui s'en tire vraiment bien avec cette cinquième place pour l'instant. C'est que c'est dur pour le pilote Lotus. Il est à l'attaque, il est trop à l'attaque, trop souvent en contact avec le rail de sécurité et les conséquences ne se font pas attendre. Allez, la rascasse. Puis le dernier virage, tout en finesse. Toujours assez compliqué à prendre. On a tendance à l'oublier. Dernier tour. On est dans le dernier tour avec Immunstation qui finalement n'aura pas eu de mauvaise surprise. Il va pouvoir, en prenant encore un tour sur un roast beef, aller chercher, pourquoi pas, sa première victoire de la saison. Qui marquerait son retour fringant parmi le haut de tableau. Son coéquipier va évidemment lui faire une belle aide d'honneur. C'est rangé sur la droite. Dans ce deuxième secteur, on arrive. Il a fait un tour à tout le monde. Tout le tunnel. Et quasiment taille patron, mais assez opportuniste. Hein. Notre ami Immunstation. Ou Emilien, appelez-le comme vous voulez. En tout cas, aujourd'hui, les 25 points. C'est pour lui. Et n'iront pas évidemment à Oxide. Oh, attention, l'oreille de sécurité, encore une fois, là, c'était violent. Plus que d'habitude, ici aussi, attention, il se fait plaisir, même. Il vient saluer les rails de sécurité, j'ai l'impression. Pour les remercier de ne pas avoir causé sa perte. Et le voici, tout sourire, le bras levé, devant tous les photographes et devant tout son staff. Ça, c'est une belle victoire. Signe sa première victoire, très opportuniste. Il peut la savourer. 25 points pour la station. Mode Street a signé le doublé chez McLaren, ça c'est très très bien. Juan Max assure
La troisième place est les... La troisième belle place de Juan Max. Ouais, les 18 points... Non, les 15 points, pardon, de cette troisième place. On enchaîne avec le classement de ces courses, pardon, dont je vais me charger. Imitation donc s'impose et prend les 25 points. Derrière lui, Mod Street, son coéquipier, doublé pour la team McLaren, qui revient en grande pompe dans ce championnat. Après cette sixième manche, Juan Max, troisième, Tsiolkovski, alias Goa, quatrième, cinquième, Charognard, comme son coéquipier la semaine dernière en Espagne, vient prendre les 10 points et complète ce top 5. Hamilton sur la McLaren, pas très en, sur la Mercedes, pardon, pas très en vue, vient chercher les 8 points. Ezekiel, septième, qui, je le disais, accusé quelques pépins physiques et également au niveau de la mécanique, vient chercher les 6 points. 4 points pour McMartin, 8e, 2 points pour Rosbif, 9e, qui complète les pilotes qui ont réussi à franchir, j'ai dit bien réussi, à franchir la ligne d'arrivée ici à Monaco pour les abandons Wham, Oxide, Yoshiz, Oliver et JLR Max, qu'on n'avait pas cité, lui aussi a abandonné. 3 safety cars, eux, n'entrent pas dans les points, pas de 10e place, donc pas de points distribués pour aucun d'entre eux. Voilà le classement de cette folle course vécue en grand format. C'est vrai que on enchaîne les temps forts et ça change de la Formule 1, où bien qu'on prenne son pied la plupart du temps, il y ait quelques temps morts en format 100%. Ton avis sur cette course, Clouse Coco, que tu as commenté encore une fois ? Une course assez mouvementée, avec pas mal d'accidents et d'erreurs de pilotage. Et aussi avec des grandes surprises, à noter l'abandon d'Oxide et de Yoshiz. Grand perdant, Yoshiz, les deux grands perdants, les deux leaders du championnat, contraints au retrait prématuré. Après, zéro pointé aussi de... Laisse-moi finir. Ouais. Zéro pointé aussi de Ferrari. Je mets aucun point sur ce Grand Prix, ça peut être un coup dur. Et noter aussi la victoire d'Imitation qui a pris un tour à tout le monde. C'est pas mal sur ce Grand Prix. Et sinon, voilà. Et la belle remontée de Juan Max aussi, qui malheureusement n'a pas pu la commenter avec moi en cabine. Peut-être la grosse perf. Bon, c'est peut-être mieux qu'il la commente pas, sinon ça fait un peu égocentrique quand on est le commentateur principal. Tu parlais de zéro pointé, on pointe également les Sauber, Oliver et JLR Max qui n'ont plus rallié la ligne d'arrivée. Le classement par points, donc 125 points pour Oxide qui reste sur ses 5 premiers succès de la saison. Si vous faites le petit calcul, ça va vite. 125, 90 points pour Yoshiz, évidemment, qui ne scorera pas aujourd'hui. Mod Street prend une place et vient s'intercaler entre les deux Red Bull. 75 points, 74 pour Juan Max, absent aujourd'hui en cabine, mais bien présent sur la piste en grande pompe et qui signe la meilleure prestation sûrement depuis le début de cette saison 13, 56 points pour Hamilton. Sixième, on retrouve Emil Station avec 52 points, le grand vainqueur du jour, grand opportuniste, ne prend pas de place mais revient à 4 points de la Mercedes de l'Américain. Septième, Charognard avec 34 unités, 28 pour McMartin, Williams, entre les deux Lotus, Rosbif 9e, qui ne viendra pas bonifier cette 5e place obtenue à Barcelone, 21 points pour lui. 10e, Goa qui complète le top 10, alors Goa, je l'ai dit, Goa ou Tsiolkovski, appelez-le comme vous voulez, 18 points donc pour le deuxième pilote Mercedes. Ezekiel, 11e, gagne quand même 2 places, le pilote Force India polonais, qui voit évidemment d'un bon oeil cette prestation aujourd'hui. Pas de points pour Oliver ou JLR Max, 8 et 6 pour les deux pilotes Sauber. Wham, 14e, c'est peut-être le gros point noir de ce début de saison. Le contraste par rapport à son coéquipier. On l'a déjà dit, je suppose que vous l'aviez dit. Mais j'aime bien le répéter. Plutôt, oui, en tant que pilote Ferrari, ça fait pas forcément plaisir à voir. On lui souhaite évidemment d'inverser la tendance d'ici les prochains Grands Prix, pourquoi pas au Canada. On aura l'occasion d'y revenir. Snipe 95-130, un pilote que je ne connaissais pas en tant que commentateur F1, tient son point obtenu à Barcelone et se classe 15e. John K, pilote absent lors des 4 premiers rendez-vous, abandonné en Espagne, était absent. Je crois qu'il a été en fait viré du championnat. Ah d'accord, ok. Alors, c'est ça qu'il a pas été là. En tout cas, il apparaît sur le classement. Je ne sais plus. Par point. Et il est à zéro à l'issue de ce Grand Prix où il ne s'est pas présenté. Est-ce que tu veux te charger du classement constructeur, plus Coco ? Pourquoi pas. Alors, au niveau du classement constructeur, nous avons les Red Bull en tête avec 164 points.
suivi des Ferrari qui ont mis 0 points à ce Grand Prix et qui perdent gros, puisque les McLaren qui sont troisième sont à égalité de points avec 127 points. Ah oui. Ensuite, quatrième. Qu'est-ce que tu voulais dire? Non, j'allais dire, ah oui, j'avais pas remarqué que McLaren était revenu quasiment même à la hauteur de Ferrari. Là, on voit Ferrari qui a mis 0 points et les McLaren qui ont fait un doublé. Donc, Gros coup dur, gros coup voilà. dur, Là, 43-0. ils ont perdu le maximum. C'est ça, c'est 43-0. Donc, je poursuis quatrième, les Mercedes, pardon, de Hamilton et de Goa, avec 74 points, suivi des Lotus, de Charbonnier et Rosbif avec 54 points. Sixième, les Williams de Mac Martin et Snipe avec 30 points. Septième, les Sauber de JLR Max et d'Olivier avec 13 points. Et pour finir, la Force India d'Ezekiel avec 11 points. Ezekiel qui est finalement bien tout seul hein, dans sa team. On verra d'ici les prochains Grands Prix, on aura l'occasion d'en reparler. Ça sera au Canada la semaine prochaine. On va tirer une petite conclusion sur ce Grand Prix extrêmement mouvementé. Tu viens de le dire, Cruscoco, il y a de ça quelques minutes. Je me rends compte vraiment du coup dur hein, de la team italienne par rapport au doublé McLaren 43-0. Et devant, on s'envole un peu plus pour les Red Bull. Le trou est fait en tout cas entre le troisième team et le quatrième, McLaren et Mercedes. Derrière, l'étau se resserre entre les Force India et enfin, la Force India pour l'instant et les Sauber. Et je pense que tout est dit à l'issue de ce Grand Prix de Monaco qui aura tenu toutes ses promesses. On n'aura pas vu beaucoup de dépassements à la régulière, mais en GP de série, j'ai pas envie de dire qu'on a l'habitude, mais ça fait partie du jeu. Même toi à Monaco, les dépassements. Ouais, c'est vraiment du grand art. Ça, c'est compliqué. C'est rare quand on a l'occasion d'en voir. On en verra quand F1, à mon avis, ça sera du même acabit. Rendez-vous donc en Formule 1 pour le Grand Prix de Monaco. D'ici là, pour les GP de série, ça sera le prochain rendez-vous au Canada, sur le continent nord-américain. Merci Cousco d'avoir commenté en ma compagnie ce sixième rendez-vous de la saison GP de série. Et de rien, c'était un plaisir de te retrouver avec moi en cabine. Toujours un plaisir en cabine avec mon italien préféré. On te retrouve en F1, Voilà. toi aussi, évidemment, à Monaco. D'ici là, chers téléspectateurs, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Salut.